that it was overwhelmingly depressing, and it dealt with, you know, CIA illegally spying on people and Julian Assange being under constant surveillance, and you think it cannot possibly be worse, but it can, because our next speaker is going to tell you. Notre prochain speaker va vous parler des systèmes pour la collection des données biométriques et des identités digitales. Et comment ça peut potentiellement être pire, pas seulement pour des dizaines de personnes, mais aussi pour des millions, voire des milliards de gens. Donc, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Kiran Janalagada. Donc déballer les compromis de Hadar et d'autres identités digitales qui s'en sont inspirées. Donc Kiran est à la tête d'un projet qui s'occupe des identités digitales. Il va vous expliquer un peu les plus grands aspects de ce programme. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. Commençons. Donc, comme tout, ça commence par les origines. Au début, nous n'avions pas de carte d'identité. Les gens se rappellent de vous avec votre visage, votre nom. Et ensuite, c'est devenu un peu plus compliqué. On a commencé à avoir des papiers d'identité. Est-ce que ça marche? Donc, la technologie n'aime pas fonctionner avec ça. Donc nous sommes des hackers. Nous aimons penser que tous les problèmes peuvent être résolus avec le hack. Donc des gens parmi des nôtres se sont penchés sur ce problème. Ils se sont dit qu'il doit y avoir une meilleure solution. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez vos papiers? Est-ce que votre identité est perdue? Qu'est-ce qui se passe si vos papiers sont confisqués? Est-ce que ça change ce que vous êtes en tant que personne? Et comment on peut penser à ça d'une meilleure façon? Donc maintenant, si on parle du vaisseau voyageur, quand il est parti vers l'espace, il porte cette image. Donc ça, c'est un peu la version alien des papiers d'identité. Nous sommes des humains. Donc, et ça fonctionne pour l'espace intersidéral. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça sur Terre? Et maintenant, pourquoi vous avez besoin d'un papier d'identité? Vous pouvez me voir, mon corps et mon identité. Donc c'est très bien, mais vous avez besoin d'extraire l'âme du corps et de pouvoir le mettre sur un support. Et c'est plutôt la façon dont ils vont approcher le problème. Et donc l'idée, c'est que votre âme, votre atma, peut être uploadée sur le cloud et peut exister en ligne. Et comment vous pouvez faire ça? Et donc l'approche, ça a été de collecter toutes vos données biométriques. Vos photos, vos empreintes digitales, vos empreintes d'iris. Et on vous donne un Hadar qui est la fondation et qui est suppose pour vous, qui devait vous suivre pour le reste de votre vie. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir de plus? Et donc ça, c'est ce que le juge suprême de l'Inde. Donc maintenant, vous devez vous demander, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est réel? Et non, pas du tout. La base de données a été construite. Elle a 1,5 milliard d'entrées. Et ça, c'est le vrai nombre. Donc où est-ce qu'on stocke ces données? Donc c'est toujours un peu difficile d'expliquer des concepts techniques à une audience non technique, et c'est ce qui se passe dans la Cour suprême en Inde, de ce que j'ai entendu l'année dernière. Donc un homme qui avait 78 ans, 87 ans, a expliqué le stockage de données à la Cour suprême. Dans un complexe qui avait 13 pieds de haut
et 5 pieds d'épaisseur. Donc j'imagine que le public a trouvé ça très, très amusant. Et donc qu'est-ce que vous faites? C'est derrière un mur de 5 pieds de large, et donc il n'y a rien à s'inquiéter. Donc bien sûr, c'est une blague. Donc Arthur Clarke a fait cette citation. Toute technologie avancée qui est suffisante ne peut pas être distinguée de la magie. Donc n'importe quelle personne en général peut considérer la technologie comme de la magie. Pour une personne moyenne, pour une personne lambda. Et donc c'est à nous, les hackers, qui comprenons la technologie, qui maintenant sommes des magiciens. Et c'est la façon dont les gens pensent que ça doit marcher. Nous savons quand la technologie fonctionne et nous savons aussi quand elle ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment cette technologie ne peut ne pas fonctionner et comment on peut la faire fonctionner. Alors, partons de la base. Alors, qu'est-ce que Hadar collecte? Donc voilà, grosso modo, la structure. Ça collecte toutes les données biométriques, les données démographiques. Dans les biométriques, on a deux morceaux, le morceau du cœur, donc les 10 empreintes digitales et 2 scans d'iris, et qui resteront propriété de l'État et ne seront pas partagées. Et la photographie, qui elle est aussi une donnée biométrique, peut être partagée. Et ensuite, l'autre partie, c'est la partie démographique. Donc, c'est le nom, la date de naissance, si elle est connue, parce que parfois, elle n'est pas connue, votre genre. Voilà, vous pouvez vous déclarer comme trans, c'est accepté aussi dans le système, et l'adresse postale. Et cette information... Et donc, toutes les données biométriques sont comparées à la base de données entière d'une milliard de personnes, qui seraient comparées à absolument tous les enregistrements de la base de données pour vérifier qu'elle n'est pas en doublon. Et à ce moment-là, on confirme que vous êtes bien une nouvelle personne, et alors là, vous aurez votre identifiant unique. Et tout le monde peut candidater. Et donc, le seul prérequis, c'est d'être physiquement présent en Inde. Et ça peut prendre 45 jours. Voilà, vous allez dans n'importe quel centre de recensement et vous aurez votre identifiant. Donc, vous n'êtes pas notifié en ligne, hein, vous obtenez une lettre en postale. Et c'est la façon dont on confirme que votre adresse est réelle. Donc, une fois que vous avez prouvé votre adresse, c'est confirmé par ce papier. Alors, le problème, c'est que, par exemple, pour les travailleurs migrants, ils ne peuvent pas avoir une adresse postale comme ça. Mais, bon, vous aurez la lettre. Alors, il y a des API disponibles, donc 3 API principales. L'identité démographique, donc une API d'authentification qui n'en est pas une. Donc, par exemple, pour l'API démographique, vous envoyez le numéro Hadar et une information démographique. Et s'il y a un match, vous avez obtenu un oui-non, vous n'avez pas d'information en fait. Et également, pareil pour les informations biométriques. Hein, vous envoyez un numéro Hadar, une information biométrique, vous avez un résultat oui-non. Et un autre, c'est un mot de passe à usage unique. Vous pouvez demander un numéro unique à envoyer un numéro de téléphone. Et ensuite, si quelqu'un répond avec le bon mot de passe, vous avez la réponse. Donc toutes ces API ne donnent aucune information de la base de données. Sauf qu'il y a une autre API, qui est le Electronic KYC, qui permet de... Par exemple, s'enregistrer auprès de banques. Alors, si on revient à l'API minimale, donc, grâce à ce minimalisme, hein, l'autorité de certification unique a déclaré que ça ne pouvait pas être utilisé pour la surveillance. Donc c'est une affirmation qu'ils ont fait plusieurs fois, sauf un petit détail. En fait, le numéro lui-même,
En fait, c'est une foreign key universelle qui connecte toutes les bases de données entre elles. Et qui possède ces bases de données ? Et donc, si vous avez un gouvernement qui est vraiment intéressé par la surveillance, donc l'un des ministères va lancer ce programme d'identification, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, ils vont le rendre obligatoire pour tout. Et alors, vous vous retrouvez dans une situation où Aadhaar officiellement est volontaire, ce qui est le cas maintenant, mais en pratique, c'est obligatoire. Alors, pourquoi c'est obligatoire ? Alors, c'est obligatoire pour accéder aux aides sociales, c'est obligatoire pour payer ses impôts, et pour aussi remplir sa déclaration d'impôt et vos crédits d'impôt. Donc, si vous ne payez pas des impôts mais que vous avez des aides sociales, il vous faut Aadhaar. Pour avoir un certificat de naissance pour un nouveau bébé, il vous faut aussi Aadhaar. Pour avoir un certificat de décès, il vous faut le numéro Aadhaar de la personne qui est morte. Si vous devez vous marier, eh bien les deux personnes qui se marient doivent produire leur numéro Aadhaar. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste comme optionnalité dedans ? Et alors, par exemple, le cas du certificat de décès est assez intéressant parce que comment vous pouvez vérifier le numéro Aadhaar de quelqu'un qui est mort ? Parce qu'il faut vérifier les empreintes digitales et les morts ne peuvent pas donner de leur consentement. Et on ne peut pas leur envoyer un mot de passe à usage unique puisque c'est indistinguable d'un texte. Et alors en fait, il n'y a absolument aucune authentification pour les personnes mortes. Donc si quelqu'un est mort, vous produisez un numéro Aadhaar et puis bon, il sera accepté comme ça. Et comment on peut le savoir ? Vous pourriez envoyer n'importe quel numéro aléatoire, peut-être votre propre numéro. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une première instance d'une base de données qui est totalement sécurisée, etc., mais qui échoue totalement à remplir son objectif parce qu'on peut enregistrer des morts arbitraires. Alors, ce n'est pas inhabituel, hein, parce que, par exemple, pour utiliser l'API, il vous faut une licence qui est absolument impossible à obtenir. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans l'implémentation d'Aadhaar, il y a une confusion récurrente entre trois concepts qui sont différents. L'identification, l'authentification et l'autorisation. Le fait qu'on puisse confirmer un identifiant, ce n'est pas la même chose que le fait d'en obtenir un et qui n'est pas la même chose que d'autoriser quelqu'un à faire quelque chose en notre nom. Je vais donner un petit exemple. En 2017, l'autorité de régulation des télécoms a demandé à toutes les compagnies de télécoms d'authentifier tous leurs clients pour être sûr qu'ils ne délivrent pas de carte SIM à des gens à qui ils ne devraient pas. Et donc, ils ont demandé à toutes les compagnies de télécoms de contacter leurs clients et de récupérer leur numéro Aadhaar. Donc, les compagnies de télécoms, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées voir les banques et un peu après, en fait, un certain nombre de gens ont commencé à se rendre compte qu'ils ne recevaient plus leurs aides sociales. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, ça a fait une sorte de scandale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, en fait, il y a des gens, tout un tas de gens dont on ne connaissait pas l'existante, où l'argent est parti sur un nouveau compte bancaire. Donc voilà, ça c'est juste un exemple d'un opérateur bancaire. Donc ils avaient une licence bancaire, ils avaient absolument besoin de clients. Et donc ils ont
authentifier la connexion téléphonique et ils ont utilisé ça pour ouvrir des comptes bancaires au nom des gens sans absolument les informer. Donc c'était une arnaque finalement qui a permis de voler 1,9 milliard de roupies depuis des millions de gens pour un opérateur de télécom. Et alors c'est... Alors je me suis peut-être trompé d'un zéro. Hein. Alors, comment on fait une erreur aussi fondamentale dans la conception ? Alors, quelqu'un a expliqué quel était vraiment l'objectif réel d'Aadhaar. Et la supposition principale, c'est qu'un individu est délinquant par défaut, à moins qu'il prouve qu'ils ne le sont pas. C'est vraiment la supposition fondamentale d'Aadhaar. Et donc ça remplace astucieusement tous vos droits, et ça devrait être une violation de la Constitution. C'est vraiment un changement très subtil. Normalement, d'après la Constitution indienne, vous avez le droit à vos aides sociales. Et ce qu'ils ont fait, c'est le changer dans l'autre sens. Et en fait, les personnes doivent prouver leur légitimité pour démontrer qu'ils ont le droit à ces aides. Et donc, il y a ce concept de la base de données auto-nettoyante, voilà, qui est exposé dans ce livre, qui est que, grosso modo, pour que l'État puisse confisquer vos droits, voilà, parce que c'est vraiment une partie de l'État, et quand l'État est en déficit budgétaire, qu'il ne peut plus subvenir à vos droits, qui est vraiment le problème d'une très grande majorité d'économies développées. Et donc, comment Aadhaar résout le problème, c'est que si l'État ne peut pas faire son travail, vous devez le droit en tant que citoyen. En fait, c'est votre devoir en tant que citoyen. Vous devez garder vos données propres. Donc c'est une référence d'un livre explicite, mais c'est pas seulement, en fait c'est vraiment dans les comptes rendus du Parlement de l'Inde. Le système Aadhaar a un mécanisme d'auto-nettoyage des données au cours du temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer comme ça? Si vous avez besoin de récupérer vos subventions, votre nourriture, etc., vous devez vous authentifier biométriquement. Donc, si vous n'avez pas de scan de connexion téléphonique, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ça vous retrouvez dans des situations assez bizarres. Donc, voilà, des gens en Inde, ils n'ont pas une très bonne connexion en Inde, mais quelqu'un a découvert que si on allait en haut de l'arbre, il y avait une bonne connexion. Et donc, pour pouvoir faire leur scan d'empreinte digitale, ils allaient dans l'arbre, ils mettaient leurs doigts là, et là, comme ça, ils avaient le droit à leur distribution de nourriture. Vous voyez ? Voilà, ça c'est un exemple, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez pas ? Eh bien, vous mourrez. Donc voici une compilation de rapports de combien sont morts à cause d'échecs technologiques. Ces nombres grandissent. Heureusement, la Cour suprême a insisté sur le fait que si la technologie ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute du citoyen et qu'on doit leur fournir les aides. Alors, je n'ai pas de nombres plus récents, donc je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux maintenant. Mais l'État a vraiment intérêt à surveiller ces taux. Donc, de manière un petit peu ironique, en fait, la base de données n'a pas de mécanisme pour gérer le décès des gens. Donc, si quelqu'un meurt, comment est-ce que vous reportez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe pour les gens morts?
Vous devenez une sorte de fantôme dans le système. Vous continuez d'y exister sous la forme d'une entité virtuelle. Et on ne sait pas vraiment que vous êtes mort. À cette URL, on a une liste de possibilités et des problèmes qui émergent de ça. Donc, ce qu'ils font, c'est une de ces choses. Donc, en fait, c'est censé corriger un problème de corruption et d'éviter que des gens reçoivent des subventions qu'ils ne sont pas censés recevoir. Donc, ici, voici un extrait de la formation pour les employés du gouvernement. Donc, si on a, par exemple, 1 million de récipiendaires de subventions, il faut contrôler ce nombre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ce que vous pouvez faire, et ils utilisent le terme spécifique. Donc, on a la notion d'organic seeding. Donc, c'est dans le manuel pour les employés du gouvernement. Donc, ils prétendent que c'est protégé contre les erreurs ou les erreurs intentionnelles, puisque c'est censé y avoir une authentification biométrique pour récupérer des données. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, c'est possible pour un employé du gouvernement de se tromper. Donc, c'est bien pour l'État, mais c'est pas du tout bien pour le citoyen. Donc, attendre que les gens se plaignent quand il y a un problème, c'est pas un bon design. Donc, ici, on a un cas où... Donc, il y a eu une lettre qui a été envoyée, même si ça n'aurait pas dû être le cas. Donc, comment ça peut se produire? Donc, les gens qui ont construit Hadar, ils étaient super contents de leur système de déduplication des données. Mais en fait, on peut utiliser, au lieu de fournir une vraie photo, on peut fournir la photo de son chat, de son chien, d'un arbre, de n'importe quoi. Et personne ne veut vérifier. On peut aussi se débrouiller pour ne pas vraiment fournir ces données biométriques, puisqu'il y a par exemple des personnes qui n'ont pas de doigts. Donc, pour gérer ces cas d'exception, il faut juste trouver quelqu'un qui va accepter de gérer ce cas d'exception. Donc, combien de cas de fraude existent à cause de ce système d'exception? On ne sait pas. Parce que, en fait, personne ne consulte ces documents. Donc, ça devient encore pire. Donc, voici un bulletin d'information. Donc, l'identifiant Hadar est censé être confidentiel, parce que si on a le numéro Hadar de quelqu'un, on peut récupérer des choses en son nom, et bah, du coup, il ne devrait pas être public. Donc, ici, dans la presse, on voit que quelqu'un a pu récupérer un accès au gaz en le nom de quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais continuer vraiment pendant longtemps avec des histoires comme ça, où il y a des problèmes dans le système qui sont exploités. Donc, ce qui apporte le plus, c'est si vraiment on arrive à voler des données biométriques en elles-mêmes. Donc, voici un cas où la police a trouvé
un groupe qui faisait du commerce de données biométriques. Donc, en haut, ils les qualifient de gang. Et ça devient au fur et à mesure des hackers. Et cette transformation de terme, elle n'est pas innocente. Quand ils parlent de gang, ils parlent des gens qui sont vraiment dans les rues. Et dans le cas des, enfin, le terme hacker se réfère plutôt aux gens qui ont fait des choses liées à la technologie. Donc, d'abord, on a besoin qu'un agent s'authentifie lui-même afin de vérifier qu'on est dans le cadre d'une utilisation légitime. Et le logiciel qui gère ça, il est écrit en Java et du coup, il est composé d'un certain nombre de fichiers JAR. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un autre JAR qui fournit la même API mais qui ne nécessite pas d'authentification. Donc, quand on reporte ces problèmes à ADAR, voilà ce qu'ils font. À chaque fois, ils disent que leurs données sont sûres et que c'est notre instance qui est volée. Donc, que le CIDR est sûr et sécurisé, que personne ne peut utiliser notre numéro ADAR sans notre autorisation. À chaque fois que quelqu'un publie ou reporte un problème comme celui-ci. Donc, l'ancien chef de l'UIDI a publié une sorte de challenge disant en gros « hackez-moi ». C'est de l'incitation au crime. Mais c'est le patron et du coup il fait ça et personne ne lui dit rien. Et il a formulé la promesse qu'il n'y aurait pas d'action en justice qui serait entreprise contre quelqu'un qui ferait ça. Mais bon, personne ne le fait, évidemment. Et du coup, mais par contre, il y a des gens qui ont fait des petites illustrations. Donc, à nouveau, comment c'est possible qu'un tel niveau d'incompétence se produise dans quelque chose comme une démocratie? La démocratie est censée avoir les gardes-barrières qui vont bien pour se protéger contre ce genre de choses. En fait, peut-être que ça n'a jamais été un problème de donner aux gens une identité numérique. Mais comment on en arrive à un projet qui peut être dangereux pour autant de gens? Donc, en termes de chronologie, on est complètement en dehors de l'origine. Donc, il y a une année où l'Inde a été en guerre avec le Pakistan, notamment sur la région du Cachemire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des gens du Pakistan sont venus en Inde, se sont fait passer pour des citoyens indiens. Et on ne peut pas se retrouver avec cette situation où on a des gens qui ne sont pas indiens et qui se promènent dans les rues d'Inde. Donc, ça, c'était censé du coup être un projet, une base de données qui contenait tous les citoyens indiens. Et ensuite, il y a eu un second projet, le registre national des citoyens, où on allait voir les gens, on leur disait, où on allait vérifier qu'ils étaient effectivement indiens. Et ensuite, ils ont perdu les élections. Donc en 2004, ils ont perdu les élections. Et le nouveau gouvernement. A
fait appel à des technocrates qui ont dit qu'en fait, c'était pas à propos de tout ça, c'était à propos des subventions sociales. Donc vous avez vu ce qui va pas avec tout ça. Donc ça, ça date de la semaine dernière. Et ça dit en gros que... Enfin, c'est un économiste qui dit, c'est sur l'économiste. Donc, ça traduit le fait qu'il y a certains pays africains qui pourraient se mettre à utiliser un tel système. Et du coup, on a les gouvernements qui sont à l'origine de ces campagnes qui ont encore perdu des élections. Et du coup, les personnes qui avaient initié ça sont à nouveau au gouvernement depuis quelques années. Ils ont publié ce qui s'appelle le Citizenship Amendment Act. Donc, si vous venez du Pakistan, du Bangladesh ou si vous venez de l'Afghanistan, et si vous n'êtes pas musulman, donc les musulmans sont explicitement exclus de la citoyenneté indienne. Donc, c'est clairement une violation de la constitution indienne. Donc, ça devrait, la même chose devrait s'appliquer à toutes les personnes. Donc, la loi qui vient d'être passée, c'est une violation de la Constitution. Et la majorité politique, en fait, dans notre cas, elle peut faire tout ce qu'elle veut parce qu'il n'y a basiquement pas d'opposition. En tant que. Ce que ça implique, c'est qu'il y a eu des manifestations, donc il y a eu énormément de gens dans les rues. Et en fait, ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que tout ça, c'est basé sur Aadhaar. Aadhaar, c'est finalement un terme marketing qui permet à la fin de séparer les gens, de les isoler les uns des autres. Donc c'est très dense. C'était d'hier matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour les questions. N'hésitez pas à vous aligner derrière les micros. Nous avons aussi les anges du Signal qui vont passer les questions qui viennent d'Internet. Pourquoi j'ai besoin de data leaks si quelqu'un poste son numéro? Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Quelqu'un parle des fuites de données. Il a publié son numéro donc en ligne. Il y a pas mal de données. Et quelqu'un lui a dit que peut-être qu'en tant que président d'une entité, ce serait pas une très très bonne idée de publier son numéro. Donc, si vous allez sur Stack Overflow, vous trouverez son nombre. Et en conséquence, on pense que le nombre d'identifiants Aadhaar qui ont fuité dans le public est autour de 200 millions. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que les registres civils et les bases de données publiques de citoyens sont clairement un sujet qu'on devrait discuter ici beaucoup plus. Le problème avec ça, c'est évident. Je voudrais juste dire que la plupart des privilèges que nous avons en tant que communauté dans une société occidentale, une démocratie stable, nous tenons ça d'avoir un certificat et d'être capable d'avoir une identité, même si c'est seulement dans un papier. Donc, je voudrais juste demander pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas le papier qui est délivré comme une identité, comme ce qu'on a avec notre carte d'identité. Alors, il y a une raison assez simple. Ils ne veulent pas que les gens utilisent des cartes en papier. Alors, pourquoi? Parce que
En fait, l'Inde n'a pas un enregistrement complet de tout le monde. Donc, en 2015, ils ont expliqué combien de fois il y avait besoin de comparer à tout un tas de documents. Et en fait, il y avait pas mal de gens qui n'avaient absolument aucun papier. Donc, 99% des gens avaient au moins deux documents. Donc, l'idée que ça donnait une identité à des gens qui n'en avaient pas, en fait, c'est totalement faux. Est-ce que, en général, vous êtes en désaccord avec l'idée d'un numéro d'identité central ou plutôt avec son implémentation dans le cas précis de l'Inde? Alors, c'est peut-être la vraie question. Donc, la qualité des institutions de l'État fait vraiment une très grosse différence. J'en discutais hier avec quelqu'un qui me disait que l'identité décentralisée, est-ce que... je crois qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas d'identité centralisée, mais en Allemagne, il y en a. Donc les gens sont d'accord avec l'idée d'une identité centralisée à condition qu'elle soit bien gérée. Et le gouvernement fait vraiment une très grande différence. Je ne peux pas parler de la technologie, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, bon. Mais par contre, les gouvernements, oui, il y en a qui sont des bons ou des mauvais. Micro numéro 2. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Si je ne me trompe pas, quelques mois ou quelques années auparavant, nous avons entendu beaucoup de problèmes d'événements démocratiques en Inde. Et il y a plusieurs pays qui pensent utiliser des identités comme ça pour les élections. Et ils ont essayé très fort de concevoir un système d'identification qui est vraiment fiable pour les élections. Est-ce que vous pensez que ces systèmes d'identité peuvent être potentiellement réformés pour rendre le process plus facile en Inde? Alors, on n'a pas vraiment d'études là-dessus, donc ce sera de la théorie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des élections séparées en Inde dans chaque État. Et donc, avant, il y avait une base de données pour chaque État, et donc vous saviez quelle personne était dans quel État. Et en séparant les bases de données, ils ont récupéré un certain nombre de numéros ADAR, et en fait, en séparant les bases de données par État, ils ont effacé tout un tas de personnes qui n'arrivaient pas à prouver qu'ils étaient dans tel ou tel État. Et en fait, ça illustre assez bien que si vous pensez que vous pouvez apporter une solution technologique, en fait, vous allez faire empirer les choses. Merci beaucoup. C'était Kiran Jonalagada. Un tonnerre d'applaudissements.